Moi, je suis trop large pour accomplir la moindre petite tâche. Juste quand je fais une brassée de lavage, je suis trop large pour vider la sécheuse puis plier mes vêtements. Je m'habille à même la sécheuse toute la semaine. Puis quand ça redevient froissé, j'ai remis un petit 2-3 minutes de séchage. Je reconnais les losers dans la salle qui font la même affaire. Personne aime les escargots. T'aimes pas les escargots? Tu penses que t'aimes les escargots. Je vais te le dire ce que t'aimes. Ce que t'aimes, c'est du fromage fondu et du beurre à l'ail. Puis vu que ça passerait moins bien en société de commander une entrée de fromage fondu dans du beurre à l'ail, le petit combo ACV, là, tu sais, ça prend comme un petit prétexte pour justifier toute cette merde-là. Fait que, rajoute des colimaçons. Et c'est là que le pilote nous parle, puis il dit attention, attention, on traverse une violente zone de turbulence. Des choix de mots, mon ami. Puis il dit ce serait très important à tout le monde de s'asseoir et surtout de s'attacher. Puis là, moi, je suis un mouton, puis je fais comme tout le monde, je m'attache, tu sais. Mais à chaque fois que je me suis attaché en avion, peut-être que je suis trop pessimiste dans la vie, peut-être que je suis un gars trop négatif, mais on dirait que je me dis. Même si je suis attaché, si on fait un accident d'avion, on dirait que je pense que je meurs peut-être, pareil. C'est un peu naïf de s'attacher en avion, tu sais. C'est comme quelqu'un qui serait condamné à la guillotine, qui ferait comme, gars, m'en mettre un col roulé. C'est jamais. Je vous confirme, cette soirée-là est spéciale à date. C'est quoi ton signe astrologique, Thomas? Tu t'es pas sérieux. Tu niaises, là. Voyons, non. C'est rare, je lis l'horoscope, mais je lisais un matin, puis Gémeaux, ça disait de farmer ta gueule.